13h45 presque. T'as, ça fait un quart d'heure que là j'entends Gilles. La propague arrive de plus en plus tôt, là du côté Québec. Oh, ça marche bien, ça marche bien. Oups, bon, tant pis. Bah zut. Attention, 9 bravo Charlie, 5-5-5, Gilles, pour 14 kilomètres, 33-01 Rémi. Ah, je suis bleu, c'est ce qu'on appelle un faux départ, ça. Ah, les 73-51, Gilles, comment tu vas? Alors, c'est étonnant parce que là, attends, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis au bon endroit? Oui, sur le web SDR d'Ottawa, je n'ai rien qui passe dedans. Ou alors, tout juste QRP, il faudrait que je monte le volume à fond pour arriver à sortir quelque chose dedans. Et là, apparemment, de ton côté, ça passe. Qu'est-ce que c'est QRP là? Eh, c'est de plus en plus tôt qu'elle arrive la propague. Avant c'était vers les 15h par là. Après là 14h30, 14h15 dans ces eaux-là. Là ça fait bien 5-10 minutes là que je t'entends là derrière. Ouais, 5 bonnes minutes que je t'entends derrière. Alors que là il est 13h45 maintenant là ici. C'est de plus en plus tôt, hein. Ah, j'ai du mal à te sortir, hein. C'est vraiment très très QRP, hein. Je fais le maximum de mon côté, mais bon, on voit que là, c'est juste à peine entrouvert. Ouais, et puis là, j'ai aucun retour là dans le web SDR d'Ottawa. Rien, rien, rien. Bon, je vais aller voir sur le serveur là si tu as commencé à envoyer quelque chose suite à mon suite à ma connerie de ce matin là à 6h. J'ai pas compris. Ok. Ok. Je sais pas si tu dois m'entendre très QRP ou juste à peine. Bon, je viens d'aller voir sur le serveur, je vois que tu as commencé tout doucement là à envoyer le quiz, les vidéos d'hier. Hop là, ça a monté d'un coup là. Ouais, je disais donc que là, je viens d'aller voir sur le serveur et je vois là que tu commences à envoyer la vidéo, la vidéo d'hier dessus. Et celle d'hier, non, pas d'hier, d'avant-hier.
Celle d'avant-hier est 13,5 à faisait la vidéo. Tu m'étonnes qu'on comprenait pas que ça passait, que ça avait du mal à passer. Les tuyaux sont étroits depuis le Québec jusqu'ici. Bon, je vois que c'est compliqué là pour passer là. Ça a du mal à passer, quoi. Et c'est quoi ce bordel derrière machin transmission informatique qu'on entend là sur les ondes? Qui viennent pas se plaindre après les mecs si on va sur leur fréquence? Ah, qui cherche la merde? Trouve la merde. Faudra pas qu'ils viennent se plaindre. C'est comme ceux qui s'amusent à faire la même chose sur les fréquences d'appels phoniques. Que ce soit sur le 19 ou le 555, ça c'est pareil. Il y en a qui viennent faire du morse dessus, envoyer des transmissions informatiques, là comme ça, tac. SSTV et machin, bidule truc, mode Ross et compagnie. Ils viennent faire ça sur les fréquences d'appel ou sur les fréquences où il y a déjà des QSO phoniques. Et après, ils viennent pleurer qu'il y ait des QSO phoniques qui vont se faire sur leur fréquence. Aïe, 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 aïe. Bon, est-ce que le café, il était bon ce matin? Il n'a pas débordé, rien, à la bonne température? Ah oui, c'est ce qui est prévu. Ah d'accord, ok. Là, justement, je viens de regarder là, à l'instant, là. Qu'est-ce que je vois? Ouais, j'ai 14 degrés, moi, ici, là, tu vois. Donc, je crois que pour la neige, ici, sur le sud-ouest de France, on va attendre un petit peu, quoi. Ah ouais, d'accord, ok, oui. Ça va encore bien t'occuper, ça, là, à nettoyer le matin pour que Nathalie puisse partir travailler, ouais. Ah, ça a baissé, là. Ça fait le yo-yo, ça fait le yo-yo. Et quoique, là, on est quoi, là, aujourd'hui? On est jeudi. Oui. Ah, ben c'est bon. Demain, il peut neiger. C'est pas gênant s'il neige demain. Oh, ben ça va. Demain matin, tu vas pouvoir faire la grasse matinée, quoi. Voilà, j'ai du mal, hein. Ah, je t'entends, hein, c'est sûr, mais j'ai du mal à t'entendre, à te sortir. Soit je filtre trop, soit je filtre pas assez. Là, je suis à fond. Ah là, je suis à fond au niveau filtrage. Là, je suis à 5.
Bon alors, est-ce qu'il y a du monde en fréquence? Là quand même, et moi le café il est pris, j'ai tout pris, j'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai un peu du ventre bien tendu. Alors est-ce qu'il y a du monde en fréquence? T'avais, ils sont partis faire la sieste, hein? Ils sont partis faire la sieste, les Français, là. Bon, je suis en train de regarder là, c'est le web SDR là, d'Ottawa. Là. C'est calme aussi hein, de ce côté-là. C'est, je crois que là, on est trop tôt en fréquence. on aurait pu faire quoi? Ben, je sais pas. Là, ah, tiens, je commence à m'entendre dans le web SDR. Ça commence à monter tout doucement, tout doucement. D'ici une demi-heure, ça sera bon. Oh, 14h10, 15. Le temps d'aller chercher, préparer les affaires de travail pour ce soir. Rémi de retour. Ah, ça commence à monter là. Bon, du coup, j'ai passé le filtre sur 4. Après, c'est au cas par cas qu'il faut le régler, ce filtre. Dans l'Outaouais avec la Gaulle des Salles, il y a quoi
Moins 24. Bon, sur le web SDR d'Ottawa, oui, c'est plus du tout la même chose que tout à l'heure. Là, c'est rempli là maintenant. Ah là, je vois. Je peux pas dire à quel niveau, peut-être que ça va être un peu moins pire, peut-être que ça peut être pire. Le canal 6, 27.025. Là, ça s'active là-dessus. Ah, puis partout, sur tous les canaux. Hein. Qu'est-ce qu'il est bavard? Il est pire que moi, lui. Hôtel Lima, sur une côte ici,
Les 73-51 Jean-Pierre de 14 km 33-01 Rémi, le Sud-Ouest France. Oui, monsieur. Ah, quand il tourne le bouton, il tourne le bouton. Hein. Il a dit au revoir et aussitôt au revoir, aussitôt le bouton tournait. Quoi. Ah ben tu m'étonnes, 56-57 là de mon côté, là. Là tu me casses même les oreilles. Ah, je suis trois coups. J'étais occupé ailleurs. Quand d'un seul coup j'ai entendu, oh je me suis dit là, non je peux pas là. Là je peux vraiment pas venir là. Ah, ok, je croyais que tu étais en train de faire entrer quelqu'un. Je connais pas, ça ne me dit rien. Et puis, moi, je suis pour les célébrations à venir, parce que je suis
D'accord, ok, compris. D'accord. Disons que le problème, c'est que, tu sais, hey, j'ai un cerveau de poisson rouge, hein. Et quand j'ai fait le tour du bocal, eh ben c'est baisé, c'est mort. Non, plus sérieusement, avec tout le monde qu'on a sur les réseaux sociaux, le forum et ainsi de suite et tout, c'est compliqué de se rappeler de tout le monde. C'est pas facile, hein. C'est vrai que là sur la seconde, j'ai pas percuté. D'accord, ok. Eh ben, quand tu l'auras à nouveau en fréquence, tu lui retourneras ça de ma part. Mais c'est vrai que, remarque, je me balade pas tellement en fréquence en ce moment. Je suis plutôt là du genre à squatter le 625. Mais c'est vrai que j'allais dire, j'entends pas trop de stations du Québec, mais non, c'est une connerie de dire ça. J'ai qu'à aller voir ailleurs après tout ce qui se passe. Quand t'es pas en fréquence comme ça, j'ai qu'à regarder à droite à gauche. Ou alors quand t'es pris en plein QSO en train d'attraper d'autres stations, j'ai qu'à aller faire le curieux un petit peu à droite à gauche sur les autres stations du Québec là qui passent. Car si le Québec n'en profite pas en ce moment, il n'en profitera jamais. Je me doutais bien qu'il y avait quelque chose qui passait. Hein. Oui, bonjour, Hélène. Rémi Colvitan, Ici, c'est le 9 de la route Charny 555, opérateur Ville sur le Québec. Ça, c'est de la FM, ça. Oui, j'ai entendu très très QRP. Je pensais qu'il allait reprendre le micro. Les 73-51, 14 km, 33-01, Rémi, QRC de local, sur le sud-ouest, Dundee 33, à côté de Saint-Émilion. Ouais. Ah, ça passe plus de mon côté. Ouais, tout à l'heure j'ai eu un passage d'Alain, oui, bon c'était très QRP, hein. Et là ça passe plus. Mais non, elle est parfaite ta mémoire. Alors le département 31, c'est vrai que moi depuis chez moi, c'est très compliqué hein, de l'avoir. Hein. Ça passe petit là. Ça passe tout petit là, j'entends ça là. C'est vrai que là, depuis chez moi, là, à côté de Saint-Émilion, j'ai énormément de mal à voir le département 31. Oui,
Ouais, les stations, visiblement, d'après ce que je vois, sont prises sur d'autres fréquences. Là, je vois ça, là, sur Ottawa. Il y a du monde partout ailleurs, enfin, surtout plus bas, quoi. T'as qu'à mettre une cale pour qu'elle reste ouverte. Alors là, je suis en train en même temps là, de regarder là, sur le web SDR de Bordeaux. Eh bien, c'est assez calme là-dessus. Hein. Entre le canal 15 et le canal 19, là, sur les canaux homologués, bon, je vois qu'il y a, du monde, là, du côté de Bordeaux, là, ça module à fond. Enfin, entre le canal 15, même un peu plus bas. Enfin, sous le canal 19, pour faire simple, je vois qu'il y a, du monde, là, du côté de Bordeaux. Mais bon, sur le canal 38 ou 39, là, pareil, là, je viens de voir un sursaut, là. Il y a du monde, là, sur Bordeaux. Sur Ottawa, eh ben, il y a du monde sur tous les canaux. C'est marrant la différence qu'il y a, là, entre les deux QTH et les deux pays. Alors j'ai pas mis le son là sur le web SDR de Bordeaux, parce que là pour le coup ça a fait un espèce de brouhaha, c'est pas la peine. Merde, j'ai fait une connerie. Voilà. Ok. T'as plus personne là de ton côté, on dirait. Oui, je crois là. Et pourtant là ça passe. Hein. C'est les stations là qui passent pas de ce côté-ci. Ils sont partis faire d'autres contacts. Voir d'autres horizons. Et quoique, si nous deux, on va dire, on s'en fiche de faire des QSO locaux comme ça tous les jours, beaucoup de stations ADX partent du principe qu'un contact, c'est, 30 secondes, une minute, et puis il faut vite passer à d'autres stations. Ah, je fais pas la course, moi. C'est vrai que j'ai du mal avec ça, moi. Faire la course, c'est vraiment pas mon truc. Hein. J'entends quelqu'un parler, c'est très très QRP. Je me demande si c'est pas l'île de la Réunion là qui est en train de repasser à nouveau là de ce côté-ci.
Ah, ok, d'accord. Mon indicatif SWL d'entrée dans le web SDR d'Ottawa. Je suis de Bordeaux avec, et là il est en train de me parler. Oui, oui, oui. Oui, c'est très calme, hein. Maintenant, vu l'heure, t'as remarqué, d'habitude, c'est plutôt vers les 15h, 15h30. C'est plutôt vers attends, il est quelle heure chez toi, là? Ah oui, d'accord, ok. C'est plutôt vers les 9h, 10h, là, pour toi, 9h, 10h, 11h, jusqu'à midi, qu'il y a surtout du monde de ton côté. Mais là, si tôt comme ça, chez toi, là, ils sont encore, j'allais dire whisky, moi, non, mais n'importe quoi, mais. Ils sont encore au café, quoi. Oh, c'est petit, petit, petit. Bon, on va faire une petite pause. Hello, allô. Oh, ça passe, ça marche bien. Oh putain, oui. J'ai entendu quelques appels, mais c'était vraiment, vraiment très très QRP là de mon côté. Là. Je viens de répondre à ton message là de l'autre côté, sur l'autre radio. Hachi. Tu sais, la radio qui passe par le téléphone. Ah, vu qu'on trouve qu'on se parle pas assez, quand c'est un peu plat de ce côté-là, et que je coupe la caméra pour la recharger, quoi, celle-ci en même temps, hein, l'occasion fait le daron, on papote là, quoi. Pire que des femmes. Pire que des bonnes femmes. Ah, j'entends quelque chose dans le poste, là, au QRA, mais c'est beaucoup trop QRP pour savoir dans quelle langue ça parle. Bon, alors... Ah oui, USA. Est-ce que ça fait apparaître sur les autres? Et un peu aussi. Non, j'écoute, j'écoute bien. Je salue également Eric,
Puis comme j'ai pas le WebSDR sur cette fréquence-là, ça peut pas être un effet entre les deux. Ouais, c'est pareil. Je n'ai pas entendu ces derniers temps parce que j'ai rejoint pendant une semaine les capitales. Mais tu sais, on est bien content de revenir un petit peu dans notre région. Hein. Je crois que je peux le plus éviter. Bon, lui, c'est à peine sensible. Hein. Sur l'oreille, on a mis personne de passer sur la fréquence également. Donc, je te laisse en bonne compagnie avec tous les gens qui t'appellent parce que c'est vrai que la propagation est excellente à ce quartier. Il est 15h14 et c'est très très beau. Hein. Ouais, c'est ça, 15h15. André, le Québec. Bon, là, ça passe bien. Santiago 6 par moment. De la 14. Puis le jour 22, ça y est, ben là, ça. Ah, je voudrais voir quelque chose. Là. Ok, là, il y a du monde. Le fameux canal 6. Ah, des fois, il y a des boutiques hein, qui viennent faire passer leur appel. On entend C-Bishop ou quelque chose comme ça. Canal 19, uniquement la M. Ça, c'est un petit clin d'œil pour ceux qui n'ont pas bien compris. ...305, principalement utilisé en FM sur le sud-ouest de France. Là, sur le quart sud-ouest de France, jusqu'aux Pyrénées Atlantiques. Mais là, aujourd'hui, ça va être compliqué. Fréquence moniteur des kilomètres. Ah, pour info, on ne l'a pas acheté, la fréquence. Hein. C'est, ça ne s'achète pas, une fréquence. Personne n'est propriétaire de sa fréquence moniteur. Hein. Là, il y a déjà du monde dessus. Eh bien, c'est pas grave. Ça sera un autre moment. Zut. De retour. Ouais, Gilles. Alors, oui. 7, 8, 9, 10 à supprimer. La 11 est en route pour la 14. C'est bon. Il a joué en fréquence. Tu m'étonnes que ça va faire du bien au téléphone.
7, 8, 9, 10, et la 7, je crois qu'elle est déjà supprimée. Donc 4 jours de vidéo à supprimer. Ah non, mais le téléphone il explose là, c'est pas possible. Il est en train de devenir obèse. Hein. Je sais que c'est l'hiver qu'il faut, il faut mettre les couvertures, mais là il va devenir obèse. Hein. Tu vas être obligé de faire un régime sec après. Hein. Pire que des gamins. Je viens de répondre à ton message. Bon, je me suis un petit peu baladé là sur les ondes. Ah, il y a du monde partout. Hein. Il y a des QSO un peu partout. J'ai entendu le Québec là qui est un peu plus au nord là de chez toi. Enfin oui, plus au nord de chez toi, passer sur je sais plus 27530, oui je crois, de ce côté-là. Je suis descendu beaucoup plus bas. Je suis descendu du côté des 40 canaux homologués. Ça, il y a du monde de partout. Quoi. C'est donc là, oui, c'est normal, là, ici, qu'il n'y ait pas plus de monde. Les gens ont déjà fait des contacts, ils sont contents, ils ont pu discuter au maître des ondes du Québec. Et au fait, à propos de conneries, et t'as pas fait le Père Noël cette année en moto, ben non, sur la CIBI, je pense pas. Ben non, puisque tu n'avais pas encore installé la station fixe. Mais en moto, t'as fait le Père Noël le Père Noël sur le Québec, non? En moto. Non, pas cette année. Si tu l'as compris, la preuve. Il y a des dans tous les pays, il y a bien souvent un Père Noël ou même plusieurs Père Noël en moto. Voilà. Et même sur les ondes CIBI, il y en a qui font le Père Noël. Je sais qu'une année, par exemple, André a fait le Père Noël justement sur les ondes. Et c'était pour savoir si toi aussi, des fois, ça t'arrivait de le faire. Bon, d'accord. Ça veut dire que t'as pas du tout eu Roger, t'as pas du tout eu QSL. C'est pas grave. Ah, tu m'étonnes? Ouais, QSL. Bon, alors, dans la déconnade, je te disais, non, sérieux, pourquoi je dis ça? Qu'est-ce qu'il me dit? J'ai rien compris. Cette année, t'as pas fait le Père Noël sur la CIBI? Ou alors, pour les enfants, quoi? Ou alors le Père Noël en moto? Ça, c'est des trucs qui se font partout dans le monde, en plus, quoi. Et bon, c'est vrai que là, tu m'as répondu à l'instant que la moto est rangée. Donc déjà, ça, non. Et c'était pour savoir si des fois, c'est arrivé de le faire, quoi. Et réponds-moi pas là-dessus, là, on a l'air con, là. En plus, il y a la caméra qui est là, qui est en train de tourner. On est sur les ondes et on se parle au téléphone. Non, mais il y a un truc qui va pas bien, là. Réponds-moi du côté des ondes. Ah, chie. J'ai pas de retour dans le WebSDR. Ah si, ça y est, mais c'est très QRP.
avant, quand il était sur Gatineau, ça y allait là-dessus. Hein. Il a déménagé et tout, ceci, cela, plus un accident de moto. Du coup, il s'est retrouvé sans être sur les ondes pendant quelques temps. Et du coup, les stations locales se sont déshabituées là, de cette fréquence. Quoi dire? C'est comme ça. Et il faut leur cuver sur ailleurs maintenant. Et ouais, je suis là. Cui, 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 cui. Alors, si, la propague, elle est là, hein, parce que là, tu me passes comme un troupeau de bœufs, hein, ici, au QRA. Mais c'est les OM qui sont pas là, quoi. Mais attends, j'ai compris, quoi, l'entrée, là, sur la fréquence, tu l'as fait payer combien? C'est aussi peut-être ça, parce qu'ailleurs, c'est gratuit, quoi. C'est comme ouvrir la ligne de téléphone, hein? Non, mais c'est vrai, c'est bon, la portail est ouverte parce que quand la porte est fermée, elle est fermée tout simplement. Le nœud là est ouverte parce qu'on ne pourrait pas avoir ce sonore à ce moment. Ah ben c'est clair, oui, parce que là tu passes vraiment bien, hein? C'est le signal, je crois que c'est autour de 5-6, ouais, je crois, hein? Mais avec une modulation radio 5. D'ailleurs, si un jour je passe par chez toi et tout, il va falloir que j'y fasse une connerie à ton micro parce qu'il marche trop bien, quoi. Ouais, c'est tu vois, des points là, jusqu'à 57, là. Des fois, c'est du 4-5. 4-5, 4-4. Là, des fois, oh, comment ça fait 5-7. Ouais, voilà, c'est ça, oui, ça navigue, hein, ça. Et là, c'est pareil, là, sur la fréquence, sur la même fréquence, hein, c'est le web SDR d'Ottawa, j'y arrive. C'est très calme aussi, hein, de ce côté-là. Hein. C'est curieux. Va peut-être falloir lancer des jeux, je sais pas. Hein. Oh, putain. Et alors là, tu vas le regretter, là. Je plaisante. Et la loterie que tu as lancée, là, sur le groupe des tenants. Combien d'années tu comptes la laisser en route? Parce que là, je crois que tu es bon pour le livre des records. Hein. Oui, c'est ça. Mais toi, ça peut plus se décaler en fréquence, moi, ou... Oui, un petit peu. Bon, j'ai clarifié. C'est vrai que tu es un peu bas. Hein. Oui, c'est ça. On vient à bout de t'entendre quand même. Oui, voilà, j'ai clarifié, je t'entends très bien. Hein. J'ai même mis un petit peu aigu là, de mon côté exprès pour t'entendre un peu mieux. Hein. Ouais, tu vois, ça a cliqué en dernier, là, c'est comme si tu avais déchargé le volume. Hé, remonte-le de ton côté, quoi. Ah tiens, à propos de volume, j'ai écouté là ta vidéo, la vidéo, le passage où tu dis que, heureusement qu'il y a le préampli là, de réception qui est là, mais moi c'est pareil, dans la voiture, j'ai fait des tests à ce niveau-là avec le préampli de réception, et vu que ça préamplifie tout, franchement, entre remonter le volume, ou alors le laisser comme ça et enclencher le préampli de réception, perso, j'ai franchement pas vu vraiment de différence. J'ai l'impression que c'est du pareil au même. Oui, ça préamplifie, mais si je joue uniquement avec le volume, j'ai l'impression que j'ai le même résultat en fin de compte. Donc pour que ce soit vraiment efficace après un puits de réception, je crois que là, il faut vraiment y mettre le prix et que le préampli de réception filtre en même temps comme il faut, quoi. Que ça ne préamplifie pas la merdouille avec, quoi. Ouais,
des fois, quand ça descend sur la roue comme ça, là, ça devient tout dur à bien entendre. Là, c'est un peu le casse. Ouais, surtout que là, t'as couché ton haut-parleur là sur la mousse, hein, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. C'est pas tout vous m'expliquer la route. Mais je pense que, tu vois, il y en a un, il y a une fois dans le roue, tu m'as dit, là, sur 122, là, que je devrais peut-être utiliser une autre radio pour avoir des meilleurs secteurs, pour pas attendre les autres stations à essayer de le faire de côté, à côté. Ouais, ça c'est disons que ah parce qu'avec l'autre poste tu n'entends pas comme ça les stations. Ah, j'entends quelque chose derrière, j'entends des appels. Ah mais je l'ai entendu de ton côté dans le web SDR d'Ottawa. Donc c'est pour toi. Ah ben je n'entends plus. J'ai eu un très bref passage de station FM. En fait, sur les photos là, que je t'ai mis en message perso, t'as vu là la boîte dans laquelle t'es en train de télécharger, t'es en train d'envoyer les vidéos. C'est pas bien gros, hein. C'est quoi, elle travaille pas? Bon, tu m'as pas entendu. Je disais, dans les photos que je t'ai envoyées là sur Messenger, j'ai pris une photo du serveur. Là, pour que tu pour te montrer comment il est, comment c'est petit, quoi. C'est alors que quand on voit la place qu'il y a dedans, c'est étonnant de voir un truc aussi petit, quoi. Oui, parce que, tiens, je vois là au niveau du poste là, que j'ai dans la voiture, là le président Lincoln 2, c'est vrai que quand je vois la taille, c'est petit quoi par rapport au poste qu'on avait avant. Alors moi ça me fait bizarre, j'ai du mal. Là, c'est vrai que je préfère largement des postes de la taille des tiens que là, moi, de la taille du mien que j'ai dans la voiture. C'est et je vois là le CRTC 9009, il est encore plus petit, hein. Oui, puis tu vois, même avec les cellulaires aujourd'hui ou les tablettes, c'est sûr que c'est plus petit, puis ça fait beaucoup encore. Oui. C'est sûr. Par contre, ouais, les tablettes, les trucs comme ça, je crois que quand on les laisse, quand on les met à côté de la station, ça doit parasiter un petit peu, je pense. Ce que tu es en train de m'envoyer là, ça fait quel poids à peu près, hein? Les vidéos que tu es en train d'envoyer, elles font quel poids? Combien de gigas ça fait? Oui.
Hop là, ouais, je suis en train de te perdre un petit peu là. Ça a baissé et puis en plus là, il y a un bruit qui est passé sur la fréquence. Ah, j'ai entendu un siffleur là sur le web SDR de ta voix. Oui, j'ai entendu siffler aussi. Il a perdu son chien. Ouais, j'ai entendu aussi là dans le web SDR. Bonne assemblée. Donc là on est le 12, la vidéo elle sera pas envoyée ce soir. C'est pas grave, hein? Portugal. Je mets le micro comme ça, vu l'heure, je vais me préparer un cappuccino, de toute façon il sera trop chaud, et si je dois arriver en courant, j'ai le micro qui est là. Il part toutes les langues lui, hein. Une rumeur dit qu'il parle même le mandarin.
Au fait, t'as déjà réussi à voir la Chine, tous ces pays-là, le Japon, tout ça? Essayer de parler mandarin avec quelques ON de ce côté-là? Oui, non, mais. Oui, je sais, j'ai entendu. C'est là que ça me fait penser à. Est-ce que tu as déjà réussi à avoir des ON de l'autre côté, justement? Parce que là. Allez! Voilà, j'attends. J'attends. Voilà, ça y est, la mitraillette est passée. Ouais, ça me... Alors, quand j'ai entendu le Portugal, ça me fait penser à ça. Ah, mais. Attends. Ah mais quand même, ah, ça y est. Et est-ce que t'as jamais eu des ON du côté de la Chine, au Japon, de ce côté-là, quoi? Ah, on le sait que tu parles japonais. On le sait, surtout quand on... Non, je dirais pas. On est en fréquence. Oui. Avec maman quand t'es dans le lit. Ah tu vois, je le savais que tu savais parler japonais. Je le savais. Ok, d'accord. Ah, parce que je remarque à chaque fois, t'as ça passe plus là, où je m'entends à peine là, dans le voix baisse des liens. Parce que là, quand je te vois faire la jongler d'une langue à l'autre comme ça, la vache, c'est costaud, hein. Ah oui, c'est bravo, hein. J'arrive à en parler qu'une seule, moi, c'est tout. Et encore, des fois, j'arrive à me tromper, quoi. Oui, ben, je crois que j'ai dû louper quelques cours de ce côté-là. Ouais, je te laissais prendre, je reste derrière la porte. J'entends des appels derrière. Toujours là, par exemple.
Oui, je suis toujours là. T'as vu, être en ton contact, je deviens plus intelligent, je trouve. Ah, je sais pas. De toute façon, c'est une connerie que j'ai sorti. Ouais. Qui est toujours derrière? Ouais. Tigre. M'entends plus. Bon matin, ah. Bonjour. Ah, il y a 173 qui appellent le Canada. Autant il passe bien, André, autant que j'ai l'impression qu'il a du mal à entendre. Parce que là, il m'a pas entendu, là. Wow. Michael à l'écoute du Canada, il passe à l'écoute. Hey, salut Michael, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. Hey, salut André, je suis à 113, merci de m'avoir répondu. J'en suis ici à tout écouter, votre ami, comment ça va? Ben nous ça va bien, ici on n'a pas d'inondation comme aux États-Unis. Puis on n'a pas de vent. Ah non, il est en bande large comme cela. Il a dû jouer sur la largeur de la bande parce que ça joue pas beaucoup. Hein.
Le signal n'est pas épais, mais ça passe fort. Très bien aussi, là, voilà, André. En tout cas, la moyenne ici, c'était validé, hein, voilà. Donc, c'était validé. J'ai fait une vidéo, là, donc je vais la poster de l'autre côté, là, donc, bien sûr. Et puis, tu verras bien, là, comment t'arrives, c'est merveilleux, alors, voilà, de pouvoir écouter. Sur le nombre de kilomètres, donc, dans d'excellentes conditions, là, sans qu'il y ait un présent, sur le secteur, là, voilà, André, je retiens le micro. Oui, ben, écoute, c'est l'hiver, il fait assez mal, c'est le pauvre coup de neige.
C'est pas tellement froid, moi, ici, quand même, c'est pas froid ici pour nous. Pour toi, ça serait, tu devrais le faire, mais nous, moins 6, c'est pas, bon, c'est froid, mais pas, pas dans le sens. Ok, on va aller du côté Gilles, à quoi du tout, Gilles? Oui, je suis André. Oui. 15h55. La 173 de 14 km 3301 ainsi que André. Merci. Italie. Il y a un Français là qui lance appel anglais. Il est complètement noyé derrière.
Wow, ça s'est calmé d'un coup, là. Ah, ça y est, ça revient. J'entends one four alors qu'on est entre français, ouais. Enfin, entre francophones, je veux dire. Bonjour André, est-ce que ce coup-ci, là, t'arrives à m'entendre de ton côté? Ça n'a pas l'air évident aujourd'hui. Ah, ça. On est en aval à la station Philadelphie. Ouais, je crois. Ah, zut, je bug. Je pense avoir compris pourquoi il a pas pris le micro là quand tu lui as dit en avant. Il est déjà face à sa station. Il peut plus avancer, ouais. Et comment veux-tu qu'il réponde s'il peut plus avancer? N'importe quoi. C'est... La propagation est un peu bizarre aujourd'hui. Ouais, et puis je crois que moi avec. Bon, et André, est-ce que tu m'entends là ce coup-ci? Ah, il m'entend pas André, là. C'est autant je l'ai bien entendu, autant là c'est compliqué de son côté pour m'entendre. Oui, est-ce que tu avais noté la station de l'Italie, Rémi? Il était beaucoup trop QRP là de mon côté, alors au QRA je ne l'ai pas du tout entendu. Sur le web SDR, il était surmodulé par des 1-4, 1-4, 1-4 sans arrêt. Et du coup, mais il était vraiment très très QRP, j'ai pas du tout eu Roger, j'ai pas du tout eu QSL de son indicatif. Quand on a la réunion, c'est sûr qu'on veut prendre contact avec ce qui est aussi. Ouais, la réunion, moi, il m'arrivait bien, là, ici au QRA. C'était, ouais, je crois, un bon Satago 7 et une radio, vraiment une bonne radio de 5. Mais vu ce qu'il a dit tout à l'heure, je crois savoir qui c'est là sur. Je pense savoir qui c'est sur Facebook. Je pense que ça doit être l'OM qui doit partager des vidéos là sur mon groupe. Oui, c'est tout bien quand c'est habité dans Destino, là. Et c'est dans un bon passage pour les zones, pour faire les contacts un peu partout là, pendant des années. C'était vraiment dans un bon secteur, une bonne endroit, j'avais vu. Je crois qu'ici, là, c'est encore un petit peu plus top. Ah, mais là, toi, là où tu es, là, c'est super bon comme secteur, hein. C'est, t'as de l'eau partout autour. C'est super bon, là où tu es, hein. Oui, c'est, oui, puis là, mon antenne n'est pas terminée non plus, là, la finition finale, là, mais quand ça va être fait, on va être bon pour plusieurs années, là. Ah, tu m'étonnes, parce que qu'est-ce qui te reste à faire à l'antenne? On va prendre la retraite ici. Ah, ça, c'est sûr. Mais je vais dire, au niveau de l'antenne, qu'est-ce que t'as à faire dessus? T'as pas fini l'installation? Ah oui, tu veux mettre une directive? Oui, tu essaies d'ajuster l'antenne un peu plus, là, la mettre plus... Ah, t'as un petit peu de tos, c'est pas bon ça. Non, mais j'ai un contrôleur, j'ai un MSI là, en version
mal aller, là, mais ça me donne quand même une restriction à sortir, là, tu sais. Quand je vais ajouter ça, c'est que je vais être capable d'enlever le MSD, là, je vais être vraiment dans le top, là, pour mon antenne, là. Ah, ok, d'accord. Ça prend pas 1.3, ça prend 1.0. Ouais, bon. 1.1, 1.0, bon, ça change pas grand chose, hein. Ouais, que c'est là, on va faire la dette pour cet hiver. On va faire la dette pour cet hiver, ça fonctionne bien. Et quand la température va venir plus douce ici pour le Québec, on va faire l'oiseau et on va monter dans le pylône. Tu y montes encore au pylône? Ah, t'as vu ton grand âge? Oh, je crois que l'horaire est passé. Ça a fait pour l'horaire pour la frontière belge. En avant, attention pour le Québec-Canada. Ouais, c'était très compliqué pour le sortir. Alors, au QRA, je n'entends pas, hein. Mais j'ai une écoute très très QRP, volume à fond sur le web SDR. Les 73-51 retournés de 14 km 33-01 Rémi, sur le sud-ouest France, département de la Gironde, à côté de Saint-Émilion. Ah bah alors là. Non, rien chez moi. Thank you.
J'entends rien. Hein. Ni à droite, ni à gauche. Je vais pousser le web SDR. Ah, on devine quelque chose dedans. C'est pas gagné. Un tout petit peu là. Il y a la station spatiale qui est en plein QSO là. Je sais pas si on va l'entendre. Ah bah zut. Bon, et bien sur le portail du forum, la planète Sibi francophone, dans la colonne de gauche, il y a deux caméras. Hein. Et on les entend justement en QSO, là, assez souvent en QSO, là, de ce côté-ci. Ouais. C'est piégé, hein. J'ai failli prendre le micro. Oh. Je vais voir. Ah. J'allais voir sur l'autre web SDR là, qui est sur le Québec, mais l'ON doit être en train de travailler dessus, je pense. Ouais, la porte est fermée pour le moment de ce. Ouais, c'est pas fort, mon ami. C'est pas fort que pour le téléphone du monde, mais aujourd'hui, oh oui, QSL, c'est vrai que mais moi je ne l'ai pas entendu. Hein. C'est important là, ça passe. De ce côté-ci, ça passe. Ah, j'ai compris. Ouais. Au niveau internet, j'ai la fibre à la maison.
Donc, forcément, entre toi et moi, là, ça peut que marcher, quoi. Là, pour le coup, la Sibylle, elle passe plus par les ondes, mais elle passe par, par Internet, par la fibre. Elle chie trois coups. Et il y en a quand ils vont écouter ce passage-là, ils vont se dire « Ah bon, la Sibylle par Internet, ça existe ?» Mais non, ça n'existe pas, c'est des conneries. Oh putain, là pour le coup, oui. Non, mais de toute façon, alors, et la Sibylle, elle est souvent imitée, mais jamais égalée. Voilà, c'est, y a des logiciels à droite, à gauche, sur Internet, mais quand t'as plus de téléphone, t'as plus rien. Alors que la Sibylle, eh ben, y a plus de réseau, y a plus rien, ben si, par la Sibylle, ça passe toujours. Oh oui, monsieur! Au fait que je regarde l'heure, 14h15. Allez, ouais, je reste encore un peu. Non. C'est en train de parler là. Bon, c'est obligatoirement anglophone. Oh, je vois là sur le web SDR. Pas trop fort. Sur le web SDR, là d'Ottawa, il y a une espèce de trace sur le canal 6. Il y en a qui sont en train de se lâcher. Ah ah. Parce qu'ici, sur le Québec, le PTA s'en va vers le zéro, le PTA
moins 6 ce matin. Et puis là, on s'en va vers Bellevue. Et puis avec la neige qui est prévue pour aujourd'hui, avec la pluie du verglas, Daniel, ça va pas être beau sur le Québec. Émile. Prends un essai avec Daniel, s'il vous plaît. Moi, je veux pas le faire. Daniel avec Émile, s'il vous plaît. Je l'entends nulle part. Hein. Oh, j'espère qu'on entendra dans la vidéo. Il a bougé son poste. Bonne journée. Tiens, le filtre qui est en train de faire son effet là. J'ai plus rien de mon côté. Là, non, j'ai même les stations avec qui tu étais, là, je sais pas du tout entendu. Ah, là, je l'entends pas. Tu leur as fait peur. Ils ont vu l'ours du Québec. Ils se sont tous barrés. Oui, c'est ça qui est arrivé aussi.
T'avais qu'à pas le dire l'autre jour que t'étais un ours. Et la nuit, tu veux quand, puisque tu dors une fois par semaine, hachis trois coups, et tu fais autant de bruit qu'un ours quand il dort? Oui, mais c'est ça, l'ours, il est supposé d'être. Ouais, il est supposé du gros pour l'hiver. Mais moi, quand on trouve de rien, mais j'en fais du coup. Remarque, attends, là tu vas rire. Moi c'est pareil, là j'ai pas beaucoup dormi, hein. J'ai quoi? Je dois avoir 6 heures de dodo, là, c'est tout, hein. Et je suis pas couché avant demain matin, ben, quand je rentrerai du boulot. J'ai reçu un SMS là aujourd'hui, comme quoi je dois aller travailler ce soir, enfin cette nuit. Donc là, ça va faire très long, là. Ça va faire très très long. Oh oui, monsieur. Ben oui, c'est... Non, mais c'est... La propagation, elle est là, hein. Il n'y a pas de problème. C'est les OM qui sont pas là, quoi. C'est tout. Sinon, on n'arriverait pas à se parler comme ça si la propagation était pas là, quoi. Ouais, parce que là, tu passes bien, hein, quand même, de mon côté, hein. Oui, aussi, sous-titrage, la réception, c'était bon, là. Oh oui, par contre je suis en train de regarder l'heure là quand même, là, je crois que je vais rester raisonnable là pour aujourd'hui, sinon il va falloir que je cours partout dans tous les sens là, tout à l'heure, donc, donc je vais passer en QRT, préparer mes affaires, puis en plus de ça, là, les vidéos, là, je vais les stocker, là, sur mes vidéos, là, de mon côté, je vais les stocker, là, sur l'ordinateur, ça va permettre de vider la caméra, et il faut que je prépare mon sac et tout, que je mette la tenue de travail et tout ça, tac, donc je vais faire ça tranquillement, et tout ça, donc je vais passer en QRT. Donc, je vais te laisser, Gilles. Désolé de te lâcher comme ça, comme un lâche. Les bottes sont 13.51 à toi, Gilles. J'espère pouvoir passer demain en fréquence. Oh, je pense que oui. Ouais. Demain, je pense pouvoir... Je devrais pouvoir passer en fréquence. Je vais essayer de trouver un moment pour pouvoir te faire un petit bonjour. Sinon, ben, ça sera autrement qu'il sera fait le bonjour. Allez, les 73-51, toi Gilles, le bonjour à madame quand tu la verras, et à très bientôt. Merci beaucoup pour le dépêché d'aujourd'hui, journalier. Et puis, 73-51, 88 et 14 missions, au Canada respectives. À très bientôt, vous. Merci beaucoup, à plus, amuse-toi bien. Quelle bonne, oh, oui.